Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, où on profite des derniers instants de la bêta sur Call of Duty MW3. Nous sommes sur PS5 et après ça sera sur PC. Donc là c'est les derniers instants, après c'est terminé, après la bêta je serai sur PC. Du coup j'ai essayé une petite classe un peu différente sur le snipe, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, Rust c'est chiante parce qu'on tombe vraiment sur des connards qui passent leur temps à aller à l'étage. Et franchement le gameplay pue la merde comme ça quoi. Merci à RS Nidox qui est là pour le 4ème mois, le Sky est toujours un plaisir de suivre votre stream, désolé, je suis dans l'ombre. Bah écoute, tu es où tu veux mon pote, si ça te fait plaisir d'être là, y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Hein. T'es même pas fait expat. En plus, tu peux y aller, hein, tu sais, je veux dire, on est deux teams. J'ai l'impression que je tombe toujours sur la team qui passe son temps à camper. Là, si eux ils vont à l'étage, c'est bien. Tu vois, à la limite, si t'es tes alliés, tu dis bon, allez. Ah, d'accord. Ok, le mec a respawn derrière moi. Ouais, ce snipe est sympa. Manquer la tour robustesse, j'avoue que robustesse incroyable. Oh la quad feed, la quad feed broc. Non, dommage. Oh, il y avait la triple feed headshot en plus. Ah, c'est con ça. Mais là, c'était pas la quad feed headshot broc en plus. C'était le premier, c'était pas un headshot. Je crois pas. Hein. Quand tu fais des shot broc, ça passe quand même. Ouais, le bruit des têtes c'est satisfaisant, ouais, je suis d'accord. Vache. Je te vois jouer ce multi toute l'année plutôt que Warzone. Oh, après, multi, c'est fini, je joue multi toute l'année. Hein. Ça va jouer au multi comme un fou pendant un mois, on va storcher le multi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et puis après, une fois que Warzone sera là, bah, on va torcher Warzone et puis... Et après, l'avenir nous le dira quoi. Et what?
Nul. Je suis nul, putain! Ah, l'arc BO3 était incroyable, oui, ça, je suis d'accord. Je crois que l'arc BO3, c'était vraiment le dernier grand arc de Call of. Vraiment. Là, on avait signé le multi comme s'il n'y avait pas de lendemain pendant toute l'année, quoi. C'est le dernier Call of qui a fait un an. Hein. NW Remaster, t'avais kiffé? Ouais, pas plus que ça. Ah, le jeu était pas mauvais en soi, mais quand t'as connu Code 4, tu pouvais pas. C'est-à-dire qu'il y aurait jamais eu Call of Duty 4, NW Remaster, il aurait été bien. Je sais pas si ça fait du sens. Tu vois là, ça va la game. Les gens ils passent pas leur temps en haut. Donc ça va. On a perdu l'avantage. Changement de point stratégique. Je suis là. Mais ouais, ça va en fait. Là dans la game, le lobby est. J'ai pire, j'ai connu pire. Dommage. Dommage, j'avais encore du monde en plus. Le petit drone, c'est pour ma gueule. Ouais, dans l'absolu, la bêta, moi, elle me plaît. Moi, j'ai passé un bon moment dessus. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. J'en ai eu un. Je recharge. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour la map. De Rust. Et malheureusement, à. Bah, c'est. Ça campait à l'époque déjà. Et là, j'ai l'impression que c'est trop. Bah les headshots c'est bon. Franchement quand t'arrives à faire des petits headshots par-ci par-là, c'est vraiment bon ouais. Nouveau point stratégique confirmé. Je vais la perdre.
Ouais, je vais mettre à la limite le petit atout pour enlever le... Ouais, la classe tracker, je peux la montrer, bah après... La tracker est bien... En tout cas, il n'y a pas vraiment une classe... je pense. Et quand t'arrives à faire un petit quick headshot... Trop bon. Ah, les flashs, c'est le flash power. C'est pas aussi, on va dire... cassage deux oeil comme ça l'était pour MW2. Changement de point stratégique. C'est nul hein. Bon, le mec à ma droite aussi. Mais... Ouais, dur faux, ouais, faut que je vois ça. Merci à Iazam49 qui s'abonne. Bienvenue Iazam. Kipsman, 30e mois, c'est ton Sky et moi de plus avec le boss. Trop hype par le nouveau COD et surtout hâte de voir le contenu que tu as proposé. Quand tu es avec la bonne humeur, c'est un plaisir de te suivre. Bise à toi et la famille. Bah écoute, Kipsman, bise à toi la famille. Merci beaucoup, mon pote. Et moi aussi, hâte de voir ce que ça va donner hein, sur ce petit truc. Merci à Bigfoot TV qui est là pour le 7e mois et moi-même, 11e mois, bientôt l'an. Merci moi-même.